t'arrêtes de reculer autant. À chaque fois, t'es à la ramasse. Et comme ça, t'es mal placé, et tu t'as fait mille fautes. Avec ton coup droit, t'es loin, tu remets de la course. Et arrête de parler, encourage-toi. À chaque fois, tu râles. Tu joues pas bien, on s'en fout, le but c'est que tu gagnes. Ok ? Encourage-toi. Hey. Allez, allez. Et surtout, on reste concentré en milieu de service. Pas de faute. Ok ? Allez, on s'arrache pas. Allez, allez. Allez, petit. Hein. Allez, allez. Bah, c'est vrai que ça n'a pas été facile. J'ai dû m'arracher jusqu'au bout, mais je suis assez fière de moi parce que j'ai su rester concentrée tout au long du match et remonter alors que j'étais menée au dernier set. Donc ça n'a vraiment pas été facile, mais je suis fière de moi. T'as souvent été menée dans le match Ouais, c'est vrai que j'ai souvent été menée. J'ai été menée 2-1. 2-1, j'ai été menée aussi tôt dans le set. Et dans le cinquième set aussi, j'ai été menée vers la fin, mais le principal, c'est que je sois revenue au match. C'était quoi la tactique sur lui? Bah, c'était de vraiment varier, de ne pas lui mettre de balles faciles, de ne pas le laisser installer le jeu. Et dès que j'avais l'opportunité, bah, de l'agresser, et ça a plutôt bien fonctionné. Bernard Jeux, c'est un ancien dirigeant de la Fédération Française de Tennis de Table. Voilà, qui a donné son nom à cette compétition, qui est une compétition de clubs par catégorie. C'est la seule compétition de ce type organisée au niveau de la fédération. Donc aujourd'hui, c'est l'échelon départemental. Donc ici, les Moulineaux l'organisent très régulièrement depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et le Palais des Sports ici s'y prête vraiment bien. On peut mettre 48 tables. Et donc c'est pour ça qu'on est, souvent un petit peu les seuls en ce moment à organiser, mais j'espère que les autres années, d'autres clubs vont se décider à l'organiser parce que c'est quand même beaucoup de travail et beaucoup de stress tout le week-end. Alors le 92, rien que le département, c'est un sacré niveau, je crois qu'on peut en parler. C'est un très bon niveau puisque à chaque fois le 92 qualifie donc 3 voire 4 clubs au niveau régional. Et que dans ces 3-4 clubs, il y en a souvent un ou deux qui va à l'échelon national. Donc il y a quand même un bon niveau. Il y a des joueurs numérotés en senior sous les 100, donc pas mal. Et des joueuses pareilles sous les 100, des juniors numérotés aussi. Donc c'est un très bon niveau, effectivement. Alors parlons un peu de l'historique d'Issy les Moulineaux. Je crois qu'elle est souvent bien placée dans le classement. Alors Issy les Moulineaux, effectivement, depuis 7-8 ans, on est sur le podium. On gagne ou on est second souvent, entre guillemets on se tire la bourre avec le Valois, Courbevoie, la CBB, sont les clubs qui luttent à chaque fois pour la victoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Issy les Moulineaux est un très bon club formateur, qu'est-ce que ça signifie? C'est un bon club formateur, certes, puisqu'on marque des points, on a des podiums dans les petites catégories, mais aussi de par la formule depuis quelques années du Challenge Bernard Jeux, puisque les seniors sont intégrés dans cette compétition. On est aussi présent en senior, en élite garçon, en élite fille, donc c'est un bon compromis entre les clubs formateurs et les clubs de haut niveau aussi. Est-ce qu'on a déjà un peu une petite idée des résultats d'entre samedi et aujourd'hui, ce qu'il en est? Un petit peu comme les années précédentes, a priori, ici les Moulineaux, le Valois, la CBB et Courbevoie joueront, je pense, les 4 premières places. Dans quel ordre, je ne peux pas encore le dire. Merci Kevin, Marcel Guillaume, Marie Hugues.
table 16, Mezzou Masselier Marie. Table 17. Une fois que tu l'as fixé dans le revers, tu peux écarter dans le coup droit, tu peux écarter coup droit ou coude. Hein? Mais vraiment, c'est sur la remise de service qu'il faut que tu te fixes dans son revers. Hein? Éviter le premier coup droit. Une fois qu'elle commence en coup droit, tu es obligé de relever la balle. Hein? De Châtenay, Lucas Marek de Châtenay catholique en 4. Lucas Marek. Ben un peu difficile, oui, elle avait une joueuse avec un soft plus droit, qui a un niveau élevé, quoi, plus élevé. Et elle était un peu passive, quoi. Moi, ce que je lui demandais, c'est d'être plus offensive, plus agressive. Et en remise de service, elle avait du mal. Quoi. Voilà. Bah, il va falloir qu'elle impose son jeu, qu'elle prenne l'initiative. Elle a un bon jeu de rotation, elle a de quoi faire. Le premier, j'ai eu du mal, mais elle était vraiment beaucoup plus forte. Puis la deuxième, ça allait. C'était pas... elle était moins forte que moi. Qu'est-ce qui t'a manqué sur le premier match? J'ai eu du mal au niveau des services à les remettre. Et sur les démarrages aussi, j'en ai loupé pas mal. La remise de service, c'est une chose que tu vas travailler davantage, je pense. Ouais, surtout ouais. Les services liftés. Bonjour monsieur. J'aurais deux cafés, s'il vous plaît. D'accord. One, two. Deux cafés. Là, vas-y. Et là-bas, moins de 5, 10 euros. Faisons un. Il était avec son plateau comme ça, avec le bar de tête. Il faisait du bruit et tout. Il avait pas assez mangé, il avait faim comme ça. Il est marrant, c'est un deuxième, bon bah c'est vrai. Merci. Tu l'as donné le premier? Oui. 300 DVD. Allez, Sacha, allez. Pas que tu te retrouves à faire que du long, c'est ce qui peut se passer. Court, démarrer derrière, c'est mieux. Les points mi-distance, un top sur top, tout ça, c'est mieux, ça peut être encore mieux. Et la remise, c'est pareil, ça peut être encore mieux. Faut que tu fasses une vraie remise, arrête de faire des trucs à moitié. Soit tu pousses, ou tu remets court, ou tu démarres, mais faut pas faire ça et prendre tous les faits et juste mettre la balle sur la table, ça suffira pas. Ou pas pour le match d'après, en tout cas. Allez. Match difficile. Romain était légèrement favori. Un peu de pression au début du premier set. Il le perd, ça le met pas en confiance, il part à 4-0 derrière contre lui, donc c'est jamais facile de s'en sortir dans ces cas-là. Il a fait des choses un peu plus simples, il s'est concentré pour mettre la balle sur la table, il a gagné le deuxième set, ça lui a fait du bien. Et il mène 2-1, il mène facile au dernier set, l'autre revient un peu, il se crispe et puis c'est un peu à l'arrache à la fin. Mais bon, l'essentiel c'est d'avoir fait ce qu'il faut pour gagner. Ensuite on verra sur le prochain tour qui va être un petit peu plus difficile mais jouable en jouant bien au tennis de table. On voit qu'il y a toujours des choses à dire, que ce soit dans une défaite. Oui, ouais, il y a toujours un petit bilan à faire à la fin d'un match. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est quand même bien d'avoir un petit débrief juste derrière avec le joueur. Pour voir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'il faut absolument améliorer pour le match d'après ou pour les compètes à venir. Voilà. Voilà, allez, ça, allez, Maïla. Yeah.
Valès, j'ai gagné les quarts de finale. Et bah, avant, elle m'avait battu 3-2 la dernière fois. Et là, je l'ai battu 3-0. Et bah, j'ai bien joué. Enfin. Et bah, avant, au début de la compétition, j'arrivais pas trop à défendre un coup droit. Et là, j'arrivais bien. Bah, j'ai mal commencé au début et après j'ai commencé à mieux jouer aujourd'hui. Hier en poule j'ai rien fait. Dire rien fait, ça veut dire quoi? J'ai mal joué. Ouais. T'as gagné des matchs ou pas du tout? Oui, j'ai fait premier de poule mais en jouant mal, je m'en suis bien sorti. Perdu en quart de finale. Ouais. Et ensuite j'ai joué les matchs de classement et j'ai fait 7e en tout. Il y avait quelques langues persifleuses qui disaient mais qu'est-ce qu'ils vont faire son palais des sports? Ben aujourd'hui, vous avez la réponse. Il est occupé régulièrement, mais pour des grandes manifestations. Celle de tennis de table aujourd'hui est une des plus grandes qui soit, puisque nous avons cette salle au rez-de-chaussée, plus une salle là-haut. Et il a même fallu louer des installations à Antony, car il n'y a pas d'installation capable d'accueillir 60 tables de tennis de table. Enfin, c'est déjà pas mal, et surtout, il y a un dégagement, l'air est conditionné, c'est des conditions optimales pour tous les sports pratiquement. Alors par principe, nous sommes hostiles au sport spectacle. Donc nous n'achetons pas de joueurs, nous laissons les clubs agir, être surtout des pédagogues. Et le tennis de table est un sport extrêmement pédagogue pour les jeunes et les enfants. Et puis nous avons maintenant les entreprises. Nous sommes une des rares villes qui ait plus d'emplois que d'habitants, puisqu'on est à 75 000 pour 65 000 habitants. Et beaucoup d'entreprises maintenant demandent à participer aux activités sportives, dans la logique du sport détente, sport loisir. Alors le tennis de table monte en puissance, bizarrement c'est un loisir spontané, et on a un peu plus de mal à leur proposer dans le cadre des sociétés. Par contre, les autres sports marchent très bien, et on est très bon en handball féminin, en badminton et puis en football féminin. Donc c'est plutôt le sport féminin qui l'emporte. Et hop, tu fais top spin rotation. D'accord ? Donc n'oublie pas de bien te placer par rapport à la balle quand elle joue en poussette sur ton coup droit ou sur ton coude. N'oublie pas de te déplacer. D'accord ? Hein ? Et tu penses à varier le placement de ton service. Le marteau long sur le coup droit, il marche bien. Ok, voilà, ça marchait bien. Et tu fais attention à ta poussette coupée. Ok, hein, de ne pas rester trop près de la table. Ok, hein, allez, vas-y. Je suis un peu déçu parce que je pense que la gamine Alexandra, je pense qu'elle avait les moyens de gagner. Bon, il y a encore le top spin sur balle coupée arrivant sur le plein coup droit. C'est là-dessus qu'elle perd le match. Bon, c'est le genre de match où elle peut prendre conscience des défauts. Et c'est des choses qu'on peut retravailler à l'entraînement. Voilà, mais déçu parce que je pense qu'il y avait possibilité de gagner. 9, Adicéam, Guillaume, Boulet, Lucien. Table alors, 9. Table 10. Non, Michelot, tu continues, tu as des matchs de classement aujourd'hui. Arnaud, donc on t'appellera. C'est pareil, il faut attendre qu'il y ait encore deux parties qui se jouent. Il y a encore deux parties qui se jouent et après on aura les feuilles et on lancera. D'accord. 11-12-13. Alors, 11-12-13. Lénardi. Par contre, il me faut Grevet Maëla et puis alors le vainqueur à fond Julie. Tu veux. Maëla. Ah ben bah, voilà. Non. 12. Et la petite. Martin, Julie rejoue. Parc
question. Ah ben voilà. On fait quoi? Moins de 15 garçons, table 14, Nietzsche, Lucas, Siganza, Thibault, table 14, Parce que là, il faut absolument qu'ils signent, parce que moi déjà, je suis sympa, parce que j'ai accepté. Alors que c'est pas valable. Hein. Lapina. Donc il faut absolument que tes parents signent ce soir. Table 16. C'est impératif, hein, sinon. Bertrand, Merzouk, Kevin, table 16. Ouais, bien joué. Allez, Alex, allez. Tu mets dans son couloir, c'était bien, continue. Et tu pousses, après tu peux l'écarter dans son couloir un peu. Quand tu pousses, tu peux le pousser dans son couloir pour qu'il tape. Après tu restes à la table, et tu recules trop un peu, ok? Perrine a fait un bon match, elle mérite de gagner. Normalement j'ai des assez bons services, contre Perrine ça marche pas spécialement, donc c'est plus difficile justement vu qu'on joue souvent ensemble, elle connaît bien mes services. C'est à moi aussi de trouver ce qui pourrait me permettre de gagner justement. Ou tu lui mets une molle, ou tu me changes un truc, quoi. Arrête de lui faire pile poil ça bien, elle démarre super bien derrière. Tu peux la faire des mains en couloir, après tu peux l'enfermer dans l'air, c'est pas un souci. Allez, allez. Très belle compétition, comme d'habitude quand ici les Molino organisent. C'est un très bel endroit. On a fait quand même pas mal de finales, surtout dans les catégories féminines. Peut-être une petite déception, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec en moins de 11, je pense, en moins de 11 filles, je pense que Alexandra aurait pu faire mieux. Voilà, bon. Dans l'ensemble,
J'ai vu tous les enfants, même les adultes, ils sont tous défoncés, ils sont tous engagés dans la compétition. On avait des engagés dans toutes les catégories, donc on a un bon résultat d'ensemble. Je pense qu'au Bernard Jeu, on attend les résultats, mais on va être premier, je pense. J'espère. Un bon résultat d'ensemble d'équipe. C'est-à-dire que même les catégories, on était un peu moins fort, on a quand même bien figuré. On ne fait que des quarts de finale dans les catégories moins bien placées, donc notamment Benjamin, en cadette, en cadet aussi. Donc, voilà. C'est un travail sur la continuité, c'est-à-dire que si on arrête la formation, si on interrompt le recrutement des plus petits, y a une cassure à un moment. Donc ce qui est le plus dur pour l'ensemble des clubs, c'est d'être représenté en féminine. Nous, actuellement, ça reste notre point fort, donc il faut qu'on continue là-dessus. Que tu es contente ? Moi, je suis super contente pour ça. J'attends de voir le résultat. Est-ce que c'est gratifiant en tant qu'entraîneur quand le club termine premier au départ ? Ah, ça fait toujours plaisir. Ça récompense quand même un petit peu les efforts faits au quotidien. Donc, c'est quand même tous les jours le tennis de table. Donc, du coup, quand il y a des résultats, ça fait quand même du bien.